Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très spéciale puisque c'est pour vous souhaiter une bonne année. Je la souhaite un petit peu en avance parce que vous vous doutez bien que je n'aurai peut-être, voire pas du tout, le temps de faire une petite vidéo pour vous dire à minuit. Bon écoutez les gens, je reviens, je souhaite la bonne année à mes abonnés, je reviens, continue sur moi, voilà. Et donc je vous souhaite la bonne année, je vous souhaite plein de bonnes choses, l'amour, l'argent, le travail, la santé, la famille, le plus important, c'est bien évidemment la santé et la famille, hein, car ce sont les deux choses que l'on a le plus besoin, on va dire, pour vivre bien. Enfin, ça joue entre... Enfin, c'est surtout la santé, quoi, parce que la famille, après, on choisit pas vraiment sa famille pour tout le monde. Mais au moins, c'est très important. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, que vous soyez youtubeur, que vous soyez lycéen, collégien, nouveau-né. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, je vous souhaite vraiment les meilleures des choses, que vos projets aboutissent, que vos rêves s'accomplissent, et etc, etc. Donnez-vous à fond, et tout ira bien logiquement. Donc... je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année 2015. Voilà, tout à fait. Et donc maintenant, je vais vous le dire. Je suis enceinte. Non, sérieusement. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo FAQ pour les 2000 abonnés. Eh bien, c'est le cas. Vous pouvez dorénavant poser vos questions sur cette vidéo. Et faites péter les questions, tout ce que vous voulez qui vous passe par la tête. Et j'essaierai d'y répondre... quand on aura les 2000 abonnés, sachant que, attention, sachant que ça fait quand même un peu, ouais, ça fait 3 ans là quasiment que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait 1 an et demi que j'ai cette chaîne, un petit peu moins je crois, attendez je réfléchis, non ça fait 2 ans que j'ai cette chaîne et l'autre je l'avais eu il y a 3 ans mais pendant 1 an, voilà, et là super bien grimpé parce que sur l'ancienne chaîne j'avais 580 abonnés je crois quand j'ai arrêté ma première chaîne au bout d'1 an et j'ai fait la deuxième, j'en ai presque 2000 au bout de 2 ans, c'est fou comme ça grimpe vite, 2000 pour moi c'est énorme, pour beaucoup ça paraît pas grand chose au bout de 2 ans, mais moi ça me fait extrêmement plaisir parce que comme je l'ai dit, je n'attends rien du tout en fait de YouTube. C'est-à-dire que c'est un hobby, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais par contre, je l'ai déjà montré, je vous l'ai fait comprendre plusieurs fois, que quand j'ai pas envie de faire vidéo, que ça me saoule d'en faire pendant une période, je n'en fais pas, tout simplement. Je ne me force pas. Ou alors je poste un truc qui troll quelquefois, sans intérêt, on est d'accord. Et enfin, vous êtes au courant que quand je n'ai pas envie de sortir de vidéo, je n'en sors pas. Je n'attends vraiment, vraiment rien de ce loisir que je fais sur YouTube. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais espoir de percer et tout ça. Enfin, comme tout le monde, quoi. On a tous envie de se faire connaître, d'être connu, etc. C'est toujours d'actualité, mais c'est plus aussi fort qu'avant, je veux dire. Maintenant, quand on grandit, qu'on fait d'autres choses IRL, ou même qu'on a une vision des choses différentes, on se rend vite très compte. On se rend compte très vite que ça ne sert à rien d'espérer beaucoup de choses si c'est pour être déçu après. Donc, de ce fait... comme vous le voyez, je n'ai pas changé. Enfin, si, mon commentaire au bout de 3 ans, si, il a quand même un petit peu changé. Il a eu des beaux, il a eu des bas. Enfin, bon, j'estime que je me suis quand même bien amélioré comparé au tout début. Mais voilà, c'est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup pour ces futurs 2000 abonnés. Pour moi, ça me fait très chaud au cœur. L'activité est là, toujours. Et ça fait extrêmement plaisir. Peu importe le let's play que je fais, c'est ça qui est cool, c'est que je me diversifie, je fais pas qu'une catégorie de jeu. Je fais pas qu'une catégorie de série, je fais pas un seul style, c'est-à-dire que j'aurais beau changer de style, c'est-à-dire passer d'un jeu à un autre jeu qui est totalement opposé, il y aura toujours un public et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est ça qui fait une chaîne. Je veux dire, si tu viens sur la chaîne pour faire un truc et qu'ensuite tu t'en bats les couilles du reste et si tout le monde fait comme ça, il n'y a plus d'intérêt à faire de vidéo. Franchement, j'ai failli arrêter à cause de ça un moment, mais ça s'est arrêté et ça a repris son petit bonhomme de chemin, voilà. Et franchement, je voulais vous remercier parce que ça fait très chaud au cœur, ça fait extrêmement plaisir. Donc du coup, puisque la vidéo FAQ sera disponible quand il y aura 2000 abonnés, vous pouvez, comme je leur dis, d'ores et déjà poser vos questions sur cette vidéo en commentaire, comme vous voulez. Et puis voilà. Alors, par contre, concernant les séries,
Déjà, moi je ne suis plus du genre à faire de résolution, je crois plus à ces choses, et ce que je dois faire arrivera, et puis voilà, c'est tout. Que ce soit sur YouTube comme en vrai, mais je me sens obligé quand même de prendre une petite résolution sur YouTube, c'est de terminer les séries que je commence. Parce que ça, c'est un problème que j'ai eu au cours de l'année dernière, enfin, de cette année, et de la moitié de l'année dernière, c'est-à-dire à partir de août de l'année dernière, c'est-à-dire à partir de août 2013 jusqu'à mars 2014, je finissais rien, je foutais rien, je mettais des trucs, ça avait aucun... c'était de la merde, ça servait à rien, enfin bref, voilà. Et là, je me sens obligé de terminer ce que je commence, c'est-à-dire que Pokémon Ambre Rouge, j'ai dit que je le terminerai, je le continuerai, ne vous en faites pas. Donjon Mystère Rouge, c'est pareil, enfin équipe de secours rouge, excusez-moi, c'est pareil. Assassin's Creed 2, on le fera, je vous le promets qu'on continuera et qu'on fera les suivants aussi. GTA 5, je pense pas qu'on continuera parce que ça fait un moment quand même que je l'avais fait et bon, les gens avaient bien aimé, mais j'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc je pense que ça, on va l'arrêter définitivement. Voilà. Non, mais c'est vrai que je peux vous comprendre. Même moi, quand un de mes youtubeurs que j'aimais beaucoup arrêtait une série et qu'il en refaisait une autre pour ensuite arrêter encore de route parce qu'il... Enfin, en fait, j'ai le syndrome du mec qui adore ce qu'il fait, mais quand il voit un autre jeu et qu'il a envie de faire le jeu, l'autre, il le laisse tomber même s'il le surkiffe, mais il veut faire l'autre. Vous voyez, c'est plus fort que soi. Mais c'est une pulsion que j'ai réussi à calmer. Non, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, enfin surtout pour vous en fait, parce que moi au final je prends mon pied sur tous les trucs que je fais, mais vous, je vous laisse sur votre faim en commençant un autre truc en fait, donc je peux comprendre, je peux concevoir que ce soit super chiant, mais bon, je vous fais la promesse que ça n'arrivera plus. Maintenant on va parler de projets. Donc là il y en a déjà un, c'est terminé ce que j'ai commencé. Maintenant on va parler de séries que je voudrais faire cette année. J'ai bien dit cette année, j'ai pas dit bientôt, hein, voilà, cette année, enfin 2015 beaucoup. C'est que je voudrais refaire un Walshu, mais un vrai Walshu de Spyro 2 et 3. Ce que je veux dire par là, c'est que on fera une vidéo pour chaque niveau et on expliquera un petit peu ce qu'il faut faire, tout ça. Ou alors, si vous n'êtes pas partant, je ferai un Walshu tout simple, mais je rusherai le jeu. Enfin, je vous montrerai tout, je vous expliquerai tout, mais je rusherai à ma manière, j'avancerai à ma manière. Et vous savez que sur Spyro, je fais tout à 100%, mais je vais vite en fait. Mais je prends quand même le temps d'expliquer, mais je vais vite. Vous me connaissez à force le nombre de fois que les gens ont regardé mes vidéos sur Spyro, ou même mes lives sur Spyro. J'explique toujours tout, mais je vais à ma façon, et je vais rapidement. Après, je suis loin d'être le meilleur speedrunner du monde, ça c'est sûr. Mais, j'explique toujours tout, je prends le temps à ma façon, mais c'est rapide. Donc est-ce que vous voudriez plutôt ça? Enfin, je veux dire, un walkthrough basique, on va dire, entre guillemets, entre gros guillemets. Mais je vous montre tout, mais je vais à ma façon. Je vais vite, certes, pour vous ça ira sûrement vite, mais pour moi c'est une vitesse, c'est ma vitesse. C'est aussi simple que ça. Donc est-ce que vous voudriez ça? Sinon, si vous ne voulez pas voir Spyro 2 et 3 que j'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne, si vous n'y avez pas été convié, je vous y invite à aller voir. C'était sympa comme aventure, en plus je redécouvrais Spyro 2 après 10 ans, parce que j'avais pas touché depuis que j'étais gamin, donc c'était vraiment une agréable redécouverte, c'était vraiment super. On fera Spyro 4, vous savez l'opus que je chéris tant, Hunter the Dragonfly, qui était sur Xbox. Non, il était pas sur Xbox, il était sur GameCube et PS2, je crois. Je crois pas qu'il était sur Xbox. Parce que je sais que He Was Tied était sur Xbox, il était sur GameCube, il était sur PS2. Mais Hunter the Dragonfly, je crois qu'il était que sur GameCube et PS2, si je dis pas de conneries. Bah bref, de toute façon j'ai les deux versions. Et je pense le faire sur PS2 parce que sur GameCube c'est la pire version en fait, c'est-à-dire que la version RAM, c'est un diaporama. Mais sans déconner, hein, je l'ai essayé, c'est un diaporama. Par contre c'est super agréable de jouer à la manette GameCube sur Wii. Ça je l'avoue, en plus jouer à Spyro avec une manette GameCube c'est très plaisant. Mais c'est le jeu en fait, il était mal codé, il était codé avec le cul, les pieds, tout ce que vous voulez. Encore pire qu'Assassin's Creed Unity. Pourtant je suis un gros fan d'Assassin's Creed, mais je peux pas mentir sur le fait, et je peux pas nier que c'était un jeu codé avec les pieds. Mais bon. Donc qu'est-ce que vous voudriez que l'on fasse Spyro 4 Enter the Dragonfly? Sachant que oui, je ne l'apprécie pas tant que ça, je l'ai jamais fini, j'ai beaucoup craché dessus, je vais pas mentir, mais il y a quand même des bons points sur ce jeu. Au niveau des environnements, c'est vraiment très joli. Les musiques, ça va, mais je voudrais vraiment faire un espèce de Walshu avec vous, pour qu'on le fasse ensemble, qu'on gravisse cette épreuve et qu'on la passe ensemble, hein, tous ensemble, que je la passe pas toute seule.
Non, mais ça se trouve, mon avis aura un petit peu changé depuis ce temps-là. Mais bon, peut-être que ça changera d'ici là, et je l'espère. Mais est-ce que vous voudriez que je fasse ceci? Spyro 4 Hunters of Dragonfly. Et puis voilà. Ou sinon, aussi, dans l'année, au cours de l'année, on pourrait faire Spyro Naissance d'un Dragon. Vous savez, la série trilogie, je veux dire, la dernière trilogie en date, qui était The Legend of Spyro... The Eternal Knight, le premier je ne sais plus ce que c'était, le deuxième c'était The Eternal Knight, le troisième c'était Naissance d'un Dragon. Le premier je me souviens plus. Enfin bref, moi j'ai fait le premier et le troisième. Mais le Eternal Knight j'ai essayé et été lâché dans l'environnement, c'est assez chelou, c'est glauque, c'est bizarre. Donc, Naissance d'un Dragon qui est pour moi le meilleur des trois. De la trilogie qui est sortie ensuite sur PS2, Wii et tout ça. Donc c'est un jeu que j'avais énormément apprécié et que beaucoup de gens apprécient. Donc est-ce que vous voudriez qu'on le fasse en let's play? Parce que j'ai adoré le côté gestion un peu RPG, si on peut dire comme ça. Ouais, si on peut appeler ça comme ça. Avec le système d'armure, de compétences, de points, etc. C'était vraiment un bon jeu. En plus, on pouvait contrôler Spyro et Cinder. Et ça, c'était géant. Enfin, c'était vraiment une vision 3D. On pouvait voler indéfiniment. Enfin, on pouvait voler comme on voulait, etc. Enfin, c'était super, super beau en plus comme jeu. C'est juste la bande-son. Il y avait un problème, je crois, au niveau du codage de la bande-son. Ça faisait parfois des échos. C'était assez chelou. Mais franchement, j'ai adoré. Et je l'avais sur Wii en plus. Donc, il y a la Wiimote. C'était vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Donc, voilà. Sinon, au niveau des projets de LoL. Car j'avais dit que je ferais des tutos, etc. Pour le prochain champion, je sais pas du tout quel tuto. Enfin, pour le prochain tuto, pardon, je sais même pas quel champion je ferai, mais je procéderai différemment que celui de Swain, parce que j'avoue que 56 minutes ou 59, je sais plus, ça faisait beaucoup. Mais j'avais séparé en deux parties, mais je pense maintenant, pour un tuto, faire deux parties. C'est-à-dire que je ferai une vidéo partie où il y a les masteries, il y a les runes, il y a les sorts, description de sorts, les combos à faire. Je ferai sur une vidéo, et je sortirai une seconde vidéo dans la foulée, où je mettrai le gameplay en question. Du champion. Je pense que je ferai comme ça, vous me direz si vous préférez comme ça. Mais je pense que c'est mieux comme ça parce qu'une vidéo de 59 minutes où je rassemble les deux, même si je mets une petite annotation pour dire si vous voulez passer au gameplay, cliquez ici. C'est vrai que quand tu vois une vidéo de tuto 59 minutes, t'es pas chaud quoi. T'es pas vraiment chaud. Même si j'avoue que j'ai donné beaucoup de mon temps et que j'ai kiffé le faire. Il a plu, mais c'est vrai qu'il est un petit peu trop long. Et c'est vrai que j'ai expliqué tout quoi. Enfin, tu peux pas expliquer plus que ça quoi. Mais bon, je pense que ce sera une meilleure chose de faire deux vidéos différentes, bien distinctes, c'est-à-dire la théorie d'un côté et puis la pratique de l'autre, tout simplement. Je pense faire comme ça. Et puis il y a un autre truc, un projet qui concerne la Ligue des Légendes, ou League of LOL, voilà, comme vous voulez, moi j'appelle comme ça. C'est que j'avais annoncé sur Twitter il y a quelques semaines, etc. Avec des potes, on a prévu... Enfin, je recherchais une team et eux, ils ont une idée de team. Et on veut faire une team service, c'est-à-dire on veut faire une team de bots, mais aussi une team où est-ce qu'on veut atteindre le niveau compétitif pro si on y arrive un jour. Alors, je sais que c'est spécial dit comme ça, genre, c'est... Ouais, on veut faire une équipe pro. C'est vrai qu'il faut avoir le skill, faut avoir la vision de jeu, faut avoir le temps, faut avoir la patience, enfin, faut avoir plein de choses, faut prendre plein de petits détails en... Prendre plein de petits détails en commun. Et c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça, mais ça va être dur de une. Mais on est vraiment, vraiment très motivé. On voudrait vraiment monter au niveau pro. On voudrait vraiment déjà s'améliorer, créer un public, vendre du rêve à des gens, que ce soit par des beaux moves ou des moves totalement merdiques. Et ça, je pense que c'est moi qui vais en démontrer le plus. Hein. On va pas se mentir. Pour les lanes, on n'a pas encore établi le rôle de chacun, mais on voudrait vraiment faire une équipe pour... essayer de monter au ladder pro quoi. C'est pas une team où est-ce qu'on l'abandonnera au bout d'un mois et que chacun repartira de son côté. On veut vraiment 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 faire une team et essayer d'atteindre des sommets avec. Alors c'est vrai que ce sera dur, mais on est vraiment motivé. Je dois être le seul gold en fait, les autres sont plates si je dis pas de conneries. Moi je suis le seul moins fort quoi, je suis un noob. Non mais c'est pas grave ça, de toute façon, oh, c'est pas l'élo personnel qui détermine le skill. On l'a bien vu avec des diamants qui puent la merde, avec des bronzes plutôt forts, même si ça sent le smurf. Mais voilà, c'est vrai que l'élo en 1 contre 1, etc., ça détermine pas vraiment quelque chose. Mais on est vraiment faire une équipe. Alors, on aura beaucoup de choses à apprendre, surtout moi, parce que je suis le moins fort de l'équipe du coup, donc... Déjà que j'ai pas un niveau exceptionnel, j'ai juste une vision de jeu qui est bien pour un mec qui est gold, c'est tout. Puis encore, c'est pas ouf, c'est la base on va dire. Mais ouais, vous allez vraiment voir que
est très motivé. On essaiera de stream. Des personnes pourra stream, je ne sais pas. Mais moi, dès que j'ai la fibre, j'en profiterai tout de suite pour stream, car j'aurai un nouveau PC. Voilà. J'espère vraiment que pour l'instant, tous les projets que je vous ai annoncés vous plaisent. On essaiera vraiment d'atteindre notre objectif. Et puis voilà. Alors, je pense que c'est tout. J'essaierai de temps en temps de proposer des vidéos fun entre potes en coop. Genre, j'essaierai de faire une petite série où on fera des jeux coop du style Left 4 Dead, du style Payday 2, ce genre de petits jeux bien de sympatoches où est-ce qu'on fera les cons sur des jeux. Ce sera un petit peu un espèce de zapping où sur les jeux on fera de la merde. Je sais pas, c'est un peu comme le zapping de Cyplay qu'il faisait il y a 2 ans. Je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il reprenait des vidéos de gens et qui faisait un montage et qui les montrait. Bah moi ce sera pareil, sauf que ce sera mes vidéos, ce sera pas des vidéos que vous avez déjà vues. Ce sera des moments en gros que je recorderai sur les jeux où est-ce qu'on fera les cons avec des potes. Et puis voilà. Mais en fait, ce que j'essaierai de faire de ma chaîne pour cette année 2015, c'est la rendre vraiment encore plus variée qu'avant, plus régulière. Car c'est vrai que là, mon contenu, depuis cet été, il a repris. On va pas se mentir que j'ai... ce printemps, donc aux alentours de mars-avril, l'activité a repris normalement, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine. J'essaierai même d'en faire 4 si je vois que vous aimez vraiment ce que je fais au fil du temps. Mais en fait, pour cette année 2015, j'aimerais vraiment m'investir comme avant dans ma chaîne, sans pour autant y espérer trop de choses. Enfin, vous m'avez compris, je voudrais vraiment en fait vous proposer du contenu tout le temps. Et surtout du contenu varié, car vous savez que je déteste poster la même catégorie de choses sur un an, enfin sur un long terme en fait. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Pour faire un bref résumé, je vous souhaite une bonne année. Allez bien pécho pour le nouvel an. Faites bien des bébés, allez bien vous marier, allez bien vous bourrer la gueule, allez bien faire la fête. Mais attention, faites pas les cons. La vie on en a qu'une, elle est précieuse. Donc faites attention à vous quand même. Je sais que ça fait un peu neuneux de dire ça, mais on a qu'une vie. Il y a des gens qui tiennent à nous, donc évitez de faire les cons quand même. C'est très important, vous avez toute la vie devant vous. Vous ayez 2 ans, vous ayez 5 ans, vous ayez 50 ans, on sait pas quand la vie s'arrête. Donc faites attention, faites pas les cons. Vous pouvez vous amuser, mais attention quand même. Mais éclatez-vous bien quand même, parce que c'est le nouvel an, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein. Ça, on peut pas se le cacher. Donc profitez bien. Ensuite, pour la vidéo FAQ, vous pouvez poser vos questions, d'accord. Posez vos questions dès maintenant dans les commentaires de la vidéo. Pour le projet de Spyro 2 et 3, Walshu détaillé, ou alors Walshu fait à ma façon... bien détaillé mais très rapide, comme ça, on s'éternisera pas sur le sujet. Ou alors on fait Spyro 4 Hunter Dragonfly en Walshu ensemble, on va péter un câble, on va le critiquer, on va peut-être pas l'acclamer non plus, mais voilà. Ou alors The Legend of Spyro Naissance d'un Dragon sur Wii, qui est un opus que j'affectionne beaucoup. Et ensuite, j'essaierai de faire des tutos détaillés en 2 parties, c'est-à-dire théorie, pratique. Après, on essaiera de poster des vidéos de LOL de notre équipe aussi. Je ferai une catégorie spéciale, enfin une playlist spéciale où on montrera nos games. En petit passage, genre de vidéo de 15-20 minutes, je ferai les montages, etc. Et puis, voilà, un contenu régulier et surtout varié. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne année, amusez-vous bien et à bientôt. Allez, salut! Et bienvenue dans League of Dragons!